Ils ont dit qu'au lieu de passer en 2050, ils sont devenus 35 sont énergétiques. Alors, 1100% renouvelables, je ne sais pas si ce sera possible. Là, c'était il y a deux jours. Ils ont déjà dit, au lieu de 2050, c'est une déclaration maintenant. Bah oui, parce que derrière, ils ont déjà déclaré. Récemment, parce que le dire, c'est une chose. Non, mais bien sûr. Merci. Voilà. Mais donc il y a toute une discussion et je suis entièrement d'accord là-dessus. C'est très intéressant de pouvoir mettre autour de la même table et de discuter. Et c'est très factuel. Il n'en parle même pas dans ses dernières vidéos. Moi j'ai envie que ça bouge. Merci. Tous les camions hydrogène vont m'échapper. Ils fournissent la seule énergie la plus grande carbone qui est la catégorie. Parce que ça, tous les charbons, ils vont se fermer. Tout le reste, c'est des énergies renouvelables, de l'hydraulique. De l'université ou l'INSA ? L'INSA, Christian Gou. Voilà, ok, d'accord. Moi, je suis géomorphologue, géologue. Les aléas, la modélisation. Moi, je suis géotechnicien. Merci. Bonjour.
bravo pour ce magnifique travail. Bon, je voyais Arnaud le roi hier et on disait que ce scénario là, ça sortait bien. Hein. Ouais, on a pas mal de données pour faire boulot. Prendre place. Non, c'est intéressant, c'est réfléchir les gens, c'est absolument. Du coup, quel est le plan de table, le chef? Ça, ça vous va? Est-ce que madame. Est-ce que madame. Pour distribuer la parole? Oui, bien sûr. Ça me paraît légitime. Ah, c'est un micro. Professionnel. Est-ce que vous préférez un micro main ou un micro? Bah écoutez, si de toute façon l'idée c'est vous poser des questions. Moi je pose des questions. Ouais, voilà. Ça. Donc le micro là va suffire. Très bien. Bah, Emmanuel, je vous donne un micro main. Ouais d'accord. Ok. Voilà. Super. Mais si vous préférez partager ce micro. Oui, en plus, voilà, oui. C'est passionnant, votre étude. Merci. Le débat d'avant était extrêmement intéressant. Oui. Bon, en fait, on retrouve tout ce que nous, on met sur la table. La richesse. Non, j'ai pas trouvé que c'était polarisé, mais pas les marqués, c'est-à-dire qu'effectivement, on a parlé des enjeux de ressources, on a parlé de sobriété, on a parlé effectivement de limites de chacun des technologies. Eh bien, bonjour à tous. Un grand merci d'être là à l'Université de Caen ce matin pour parler d'un sujet qui, en l'apparence, n'est pas forcément hyper sexy. Quelles actions publiques pour accélérer la résilience du territoire? Mais en fait, c'est un sujet qui est passionnant. Et on a la chance d'avoir des invités qui le sont tout autant. Je voudrais juste, du coup, m'introduire moi-même. Maxime Thuyer, je suis rédacteur en chef du Green Letter Club, qui est un média qui décortique les grands sujets écologiques. La première chose pour introduire le sujet, c'est que je voulais vous parler de l'importance de ce sujet. Il y a Jean-Marc Jancovici, que vous connaissez certainement, qui a écrit un livre il y a quelques années qui s'appelait « Dormez tranquille jusqu'en 2100 ». Et voilà. Et je trouve que dans les questions sur le changement climatique, on a souvent cette idée que le changement climatique, c'est pour dans 2100. Peut-être les plus pessimistes diraient en 2050, mais en tout cas que c'est un sujet qui est assez lointain, qui ne nous arrive pas tout de suite dessus. Or, ça c'est vraiment une croyance qu'il faut s'enlever de la tête, le changement climatique malheureusement est là, et il est bien là. Je voudrais vous donner quelques chiffres pour vraiment en prendre conscience. La moyenne annuelle en France entre 1980 et 2010 était 12,5 degrés, et aujourd'hui, chaque année, en 2019-2020, on atteint maintenant 14 degrés. C'est-à-dire qu'en quelques années, en une trentaine d'années, on a eu 1,5 degré supplémentaire. Donc le changement climatique est là, il est bien là. Et ça va concerner vraiment tous les territoires. Le changement climatique, c'est évidemment pas un phénomène parisien. C'est un phénomène qui va toucher toutes les régions, tous les territoires, tous les départements de manière très forte. Pour vous en convaincre, je vous ai fait une petite liste, évidemment pas exhaustive. Mais les canicules augmentent de manière significative, les sécheresses également, la diminution du débit des rivières. Le BRGM a fait une super étude qui dit qu'entre 2046 et 2064, quasiment l'ensemble des rivières françaises vont avoir un débit qui va baisser entre 20 et 30 %.
La généralisation du risque d'incendie, on voit la carte du risque d'incendie qui augmente significativement et on pourra avoir des feux de forêt dans le bassin parisien comme on a aujourd'hui en Méditerranée. Les vagues de submersion marine, ça concerne directement la Normandie, l'estuaire de l'Orne, l'estuaire de la Seine, avec des installations, je pense qu'on en parlera tout à l'heure, des installations industrielles et donc des risques industriels. Le développement des maladies. La tarte à la crème, c'est de parler du paludisme qui arrive dans le sud de la France et dans le sud de l'Europe. Mais on voit des maladies, par exemple le développement de la maladie de Lyme est directement lié au fait que les tiques résistent plus parce que les hivers sont plus doux. Les scolytes, qui sont un parasite qui sont en train de détruire nos forêts, sont aussi liés au réchauffement climatique. Voilà. Et les pertes de rendement, évidemment, agricoles, on a des rendements agricoles qui sont en train de baisser à cause du réchauffement climatique. Donc voilà, ce sujet est passionnant. Comment l'action publique peut-elle développer au mieux la résilience des territoires? Il va falloir que nos territoires soient plus résilients par rapport à toutes les menaces que j'ai évoquées. Et c'est la grande chance qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on a à peu près toutes les échelles territoriales. Je vais juste vous demander à chacun des intervenants de vous présenter en 30 secondes pour qu'on sache qui vous êtes. Je vais commencer avec vous, Jean-Louis. Est-ce que vous pouvez rapidement vous présenter? Oui, donc Jean-Louis Berger, je suis à l'ADEME, je suis basé au siège à Angers et je suis chef du projet Transition 2050, prospective énergie-ressources, dont on va parler tout à l'heure. Emmanuel. Oui, bonjour. Donc Emmanuel Renard, je suis conseiller municipal à la ville de Caen et vice-président à la communauté urbaine de Caen-la-Mer en charge de l'aménagement de l'espace et du foncier. En fait, je remplace Hélène Burga, qui est la vice-présidente à la transition. Mais bon, on travaille beaucoup de manière transversale et en collaboration entre élus. Donc elle ne pouvait pas être là aujourd'hui. Donc je me substitue, mais je fais diminuer la parité sur cette table. Je suis désolé. Sandrine, bonjour. Donc Sandrine Mézira, je suis directrice énergie, environnement, développement durable au sein de la région Normandie, donc la collectivité région Normandie. Et Thomas, bonjour. Bonjour, Thomas Le Sueur, commissaire général au développement durable. Le commissariat général au développement durable, c'est une des directions générales du ministère de la transition écologique, et donc au niveau de l'État, pour bien montrer que tous les étages sont là, il nous manque l'Europe. Oui, donc on a la commune, la communauté de communes, une agence, l'agence l'État. De la maîtrise de l'énergie, de l'État, la région et l'État, encore avec le ministère. Jean-Louis, l'objectif de la France, c'est d'atteindre la neutralité en 2050. Vous, à l'ADEME, vous venez de publier une étude avec 4 scénarios très différents et très intéressants pour atteindre cet objectif. Est-ce que vous pouvez nous présenter ces scénarios et la démarche qui est la vôtre? Alors, effectivement, on a publié fin novembre, et puis on fait des publications complémentaires, d'un travail de prospective énergie-ressources, qu'on appelle Transition 2050. L'idée, en fait, c'était d'apporter des éléments sur la table, des éléments un peu factuels sur la table, dans le cadre de la campagne présidentielle de cette année, avec, je dirais... des exercices similaires qui ont été faits, ça a été cité tout à l'heure, par RTE, par Negawatt et par The Shift Project, qui sont des travaux qui se complètent. Hein. On essaie souvent de les opposer. En fait, il n'y a pas d'opposition. D'abord, les méthodes sont un peu différentes. Donc forcément, on aboutit un peu à des choses un petit peu différentes. Mais en fait, nos grands messages sont les mêmes au final. L'idée, en fait, c'était de dire, d'essayer de donner corps à la neutralité carbone. La neutralité carbone, c'est en fait absorber autant de gaz à effet de serre qu'on en émet. Hein, c'est le principe. Voilà. Alors, normalement, c'est quelque chose qui est vu au niveau planétaire. Hein. L'idée, c'est d'aboutir à ça au niveau planétaire. Pour pouvoir agir, on fait aussi ce travail au niveau national. Et là, en l'occurrence, alors on a travaillé sur le territoire métropolitain, puisque les DOM ou les COM ont des profils énergétiques un petit peu différents, donc c'est un peu spécifique, on va commencer à y travailler avec eux. Et donc on s'est, entre guillemets, contenté du territoire métropolitain. Et l'idée était de prendre l'ensemble du contexte énergétique, hein, ça a été dit dans la table ronde de tout à l'heure, donc toute énergie confondue, tout secteur confondu. Voilà. Et
on s'est basé sur les quatre archétypes du GIEC qui ont été publiés en octobre 2018. Et on a transposé ces archétypes, en fait, ce qu'on appelle des archétypes au niveau national. Et en fait, on a défini, tracé, dessiné les sociétés en 2050. Comment ces sociétés étaient, dans quel état d'esprit on était. Donc normalement, dans les diapositives, la suivante... d'accord, c'est moi le maître du jeu. Voilà. Alors, je ne vais pas détailler chacun des scénarios. Vous avez là les quatre scénarios. Je vais un petit peu en parler. Et avec des mots-clés qui donnent un petit peu les éléments principaux, le principe des mots-clés, de ces scénarios. Cela étant, le document qu'on a sorti fait 687 pages, donc c'est très fourni. C'est très fourni à la fois techniquement, c'est très documenté, c'est très chiffré, mais c'est également très commenté. Je dirais il y a un côté littéral, typiquement par exemple sur l'économie circulaire. On n'a pas d'outils pour pouvoir le développement de l'économie circulaire. Donc, on a, dans ces scénarios, indiqué que, par exemple, dans les scénarios 1 et 2, bah, effectivement, on était beaucoup dans l'économie circulaire, c'est-à-dire des produits éco-conçus, des produits qui sont durables, réparables, réutilisables, réemployables, etc. etc. Mais on voilà, ne peut pas trop le chiffrer. On a chiffré la partie déchets, par contre. Voilà. Alors, c'est la neutralité carbone. Donc, on a regardé, effectivement, notre système énergétique énergétique, plus l'ensemble de la société, notamment au travers de l'agriculture qui émet des gaz à effet de serre qui ne sont pas liés à l'énergie, mais à l'élevage ou aux pratiques agricoles, aux intrants chimiques en particulier. Et on a également essayé de regarder les impacts en matière, par exemple, de consommation d'eau d'irrigation, en matière, donc on l'a dit, déchets. On va publier un feuilleton complémentaire sur les impacts en matière de qualité de l'air. On a voulu travailler sur la biodiversité avec l'Office français de la biodiversité. Et puis finalement, ça n'a pas pu se faire parce que finalement, ils n'avaient pas les outils pour pouvoir travailler à l'échelon comme ça, métropolitain. Donc les quatre scénarios qu'on a là, qui dessinent quatre sociétés différentes. Le premier, donc génération frugale, on est, ça a été évoqué tout à l'heure, on est dans une société où on consomme au plus près des besoins. Donc avec à la fois de la réglementation, de l'obligation d'une façon ou d'une autre, de l'évolution des comportements qui est volontaire, ce que nous à l'ADEME on appelle la sobriété, et puis évidemment la technologie, même si on a écrit que c'était un scénario low-tech, il y a quand même de la technologie, et il n'est pas low-tech pour tout, puisque par exemple on dit, la société dit qu'il y a certains secteurs où on y va, j'allais dire, à fond sur la techno, typiquement sur la santé, parce qu'on veut des outils de diagnostic et des outils de traitement qui soit hyper performant, et donc là on est plutôt dans la high tech. C'est un scénario où on consomme 3 fois moins de viande par exemple, donc évidemment avec une agriculture qui est très différente, qui est une agriculture extensive et pas intensive, qui est à 70% bio et à 30% à bas niveau d'intrants. Voilà, ce qui fait qu'on a une demande en énergie qui est à peu près la moitié. Le 2, je vais accélérer. Le 2, c'est un peu la même chose. Il y a moins de contraintes et il y a un peu plus de sobriété. Le 3, alors là, on est presque dans une espèce de tendance d'aujourd'hui, sauf que contrairement au tendanciel, là, on arrive à la neutralité carbone. Et autant dans les deux premiers, on arrive à la neutralité carbone avec les puits naturels. Alors, nous, on a regardé les forêts, les sols, on n'a pas travaillé sur les océans. Autant dans le 3, on a besoin de technologies de captage de CO2, en particulier à la sortie des chaudières biomasse, parce que dans le 3 et dans le 4, on utilise énormément la biomasse forestière en particulier pour faire de l'énergie thermique et également pour faire du gaz au travers de la méthanisation, qui est très développée d'ailleurs dans les quatre scénarios. Et puis le quatrième scénario, là, on y va à fond la caisse pour consommer, avec des consommations, évidemment, d'eau d'irrigation qui sont plus du double que du premier, avec des consommations de ressources naturelles. On a parlé des métaux tout à l'heure, qui sont extrêmement importants et qui nous poussent à aller exploiter le fond des océans ou les régions polaires. Et là, pour arriver à la neutralité carbone, on a besoin non seulement de ce captage de CO2 à la sortie des cheminées, mais on a aussi
imaginé qu'on avait une solution de captage du CO2 dans l'air directement, ce qu'on appelle les DAX en anglais, pour diminuer encore ce CO2, ce qui veut dire que voilà, c'est une technologie qui aujourd'hui est plutôt au démarrage. On a fait l'hypothèse qu'on pourrait l'avoir. Voilà. Et du coup, ce CO2 qu'on capte dans le 3 et le 4, il faut le stocker. Problème aussi d'acceptation du stockage de ces millions de mètres cubes de CO2. Voilà. Parce qu'on nous pose la question, donc je vais dire, sur l'électricité, pour faire très rapide. Dans le 1 et dans le 2, on a de l'électricité à partir de NR et avec le nucléaire résiduel, donc les centrales nucléaires et le EPR de Flamanville. Dans le 3, on a deux options. Donc les ENR, soit on développe beaucoup l'éolien flottant, qui est une technologie encore à améliorer, soit on construit trois paires de PR, et dans le 4, là on a besoin de tout, c'est-à-dire qu'on pousse les feux sur l'éolien flottant et on met en place, enfin il y a besoin de 5 paires de PR supplémentaires. Ce qui est frappant dans vos scénarios, la technologie de captage du CO2, il y a beaucoup de gens qui disent que c'est chimérique parce qu'aujourd'hui, on n'y est pas du tout. Mais quand on lit, par exemple, les deux premiers scénarios, il y a quelqu'un... Vous avez un discours extrêmement policé, mais quand on lit ce que vous dites qu'il faut trois fois moins de viande, deux fois moins de fabrication de voitures, il faut moins se déplacer, il faut baisser le taux d'équipement, c'est-à-dire même, pourquoi pas, avoir des machines à laver partagées. Mmh. C'est quand même... des conditions de vie drastiquement différentes de celles qu'on a aujourd'hui. Alors, ça a été dit dans la session précédente, c'est intéressant. Enfin, je pense qu'on est à peu près tous d'accord et dans les exercices que je citais. Et ça a été dit tout à l'heure, si on n'a pas de changement de comportement, de société, on n'y arrivera pas. Hein. En 2011, le PNUE a montré le doublement de la consommation de ressources naturelles au sens international du terme. Le PNUE disant, c'est pas possible. Enfin, je vous la fais courte, mais... On voit bien, on a parlé des métaux, etc. On parlait des matériaux de construction hein, qui sont chez nous. Les métaux, ils sont ailleurs, mais les matériaux sont chez nous. Et donc, effectivement, si on veut avoir une diminution de la consommation d'énergie en général, bien sûr, il y a la technologie et il faut continuer à la développer. Il peut y avoir... et puis après, il y a le comportement qui peut être soit contraint par des réglementations, soit effectivement de prendre conscience qu'on a du gaspillage. Parce qu'il y a déjà, si on arrivait à limiter considérablement le gaspillage que l'on fait, on aurait déjà fait un grand pas. Et après, effectivement, dans le scénario 1 et 2, pour arriver à des niveaux... En gros, dans le 1 et le 2, on consomme deux fois moins d'énergie qu'en 2015. Voilà. Et même dans le 4, hein, on est à 30% d'énergie en moins par rapport à 2015. Mais alors, le 4, c'est plus la techno que le comportement. Et donc, il y a effectivement besoin de ces évolutions... les machines à laver dans des sous-sols, ça existe, hein, y compris en France, c'est pas qu'aux États-Unis ou en Europe du Nord, mais ça pourrait être quelque chose, effectivement, qui se développerait. On voit, par exemple, l'autopartage. Hein, finalement, les gens n'ont pas de voiture, mais voilà, au lieu d'avoir 10 voitures, il y a une voiture qui sert à 10 personnes. Et en fait, les paris, dans le 1 et le 2, le pari, il est sociétal, c'est-à-dire, effectivement, est-ce qu'on est en capacité d'imaginer que tout un pays va pouvoir évoluer dans une société où on va consommer moins? Ça ne veut pas dire qu'on revient à la bougie, hein, mais on consomme moins. Ça a été cité tout à l'heure. Effectivement, au lieu de changer son téléphone tous les 18 mois, ben on le garde jusqu'au bout de ce qu'on peut faire. On le garde peut-être 3 ans, 5 ans, 6 ans. Voilà. Et c'est pareil pour son téléviseur ou que sais-je. Et le 3 et le 4, ce sont des paris techno, c'est-à-dire on se dit on ne bouge pas ou quasiment pas les habitudes et on fait le pari que les technologies vont nous y aider. Et effectivement, typiquement sur les DAX, nous, on a... Alors, les DAX, on va essayer de limiter les cycles de barbares, parce que dans l'administration, il y en a beaucoup. Le captage de CO2 directement dans l'air. Aujourd'hui, il y a deux pilotes dans le monde. Nous, on a fait le pari que dans les 15 ans, 20 ans qui allaient venir, cette technologie... Dans ce scénario-là, on a mis ce qu'il fallait sur la table, sur la recherche-développement. Et donc, on a une technologie mature techniquement et économiquement. En tout cas, on a trouvé un équilibre économique. Typiquement, RTE a dit, moi, je prends pas ça parce que c'est trop fragile. Donc, effectivement, nous, on n'a rien inventé. On a juste poussé des feux, des technologies, mais on n'a pas de magie. Et là, on est sur du pari technologique. Et est-ce qu'effectivement, on est sûr à 100% que toutes ces technologies sur lesquelles on fait des paris, elles seront effectivement matures techniquement et économiquement? Et en fait, à chaque fois, il y a des paris... À chaque fois, de toute façon, il faut décider maintenant, il faut décider collectivement, il faut décider maintenant.
Et il faut vraiment agir très rapidement, parce que plus on tardera à agir, plus la marche sera haute et plus ça sera difficile. Pour fixer les idées, là encore, j'aime bien rappeler des ordres de grandeur. Aujourd'hui, chaque Français consomme, enfin, émet l'équivalent de 9 tonnes de CO2 par an. Ce que nous dit le GIEC, c'est qu'on doit être entre 1,6 et 2,4 tonnes par an. Donc voilà, il faut réduire d'un facteur 4 à peu près pour être dans les clous du climat. Juste précision, c'est global. Il ne faut pas oublier qu'il y a une grande partie de la population au niveau mondial, à peu près un tiers, qui n'accède pas à ses besoins de base. Se nourrir, se loger, s'éduquer, se soigner, se cultiver, etc. Et donc il faut que cette partie-là, et il y en a chez nous en France, hein, faut pas l'oublier, donc cette partie-là, elle doit augmenter sa consommation. Alors ça ne veut pas dire qu'on augmente d'autant la consommation d'énergie, mais en tout cas, elle doit accéder à ses besoins de base, pendant que l'autre partie de la population, elle doit effectivement diminuer sa consommation. On va redescendre un peu directement dans la commune de Caen. Emmanuel Renard, comment on fait pour avoir une ville plus résiliente? Il y a un grand sujet dans les communes, c'est l'artificialisation des sols. On a beaucoup artificialisé les sols. Or, les sols, ça a des fonctions écosystémiques. Déjà, ça capte du carbone, ça permet aussi de retenir l'eau. Le sol, c'est une éponge, et quand ils sont trop artificialisés, on a des grandes inondations. Évidemment, ça nous nourrit, c'est ce qui sert à faire de l'agriculture, et si tant est qu'on a besoin de souveraineté alimentaire, on va avoir besoin de plus en plus d'agriculture près des centres urbains. Comment vous faites, vous, pour gérer les sols? Quelle est votre gestion des sols au niveau et du foncier au niveau de la commune de Caen? Alors, je parlerai plutôt au niveau de la communauté urbaine de Caen-la-Mer, d'une part parce que je suis vice-président à Caen-la-Mer. Je salue en revanche mes petits camarades, collègues, maires adjoints de Caen, chargés des transitions et de la ville durable, qui sont présents parmi nous, donc ils n'hésitent pas à prendre la parole si je dis des bêtises. Sur Caen-la-Mer, la question effectivement en fait du foncier, des sols, elle est majeure. D'une part parce que le territoire de Caen-la-Mer, donc les 48 communes, 60% du territoire, c'est de l'espace agricole. On a des terres plutôt de très bonne qualité sur notre territoire, en particulier vers le nord. D'ailleurs, c'est un problème, puisque plus on se rapproche du littoral, plus on est aussi sous la pression foncière. Je ne sais pas si ça marche, ouais. La pression foncière et la demande, évidemment, en termes de logement. On est à gérer, en fait, en tant qu'élu, déjà, des tensions ou des contradictions. C'est-à-dire qu'en fait, on est au cœur de la question du développement durable. C'est-à-dire, c'est bien l'équilibre. J'aime bien revenir quand même à ces fondamentaux, c'est bien développement durable. Hein, je ne veux pas rouvrir le débat sur croissance, décroissance. Enfin bon, mais néanmoins, on a quand même des enjeux d'activité, de logement. Je rappelle juste que pour garder le même nombre d'habitants sur le territoire de Caen-la-Mer, garder le même nombre d'habitants, il faut produire 1300 logements par an. Pourquoi ? Parce que vous avez un couple sur deux qui se sépare, parce qu'il y a le vieillissement de la population, parce qu'il y a du phénomène Airbnb, parce que ceci, parce que cela. Et en gros, le point mort, c'est 1300 logements par an. 1300 logements. Voilà. Pas pour accueillir des gens nouveaux, pour garder le même niveau d'habitants. Et si on diminue notre niveau d'habitants, ben on diminue aussi les services, l'utilisation, un certain nombre d'activités, etc. Voilà à quoi aussi on est confronté. Et avec ce que vous avez parfaitement évoqué à la fin de votre intervention aussi, l'enjeu d'avoir une approche qui est une approche sociale, parce que notre population, elle est diverse, et donc les besoins aussi sont différents, et tout le monde n'est pas sur les mêmes situations. Alors, je reviens évidemment à la question foncière. On était sur des rythmes quand même de consommation. Pareil, en France, on l'a dit, hein, enfin, en gros, c'était assez classiquement, tous les 10 ans, on consommait l'équivalent du département de l'Eure, hein, ça faisait 650 000 hectares à peu près, voilà, bon, ça a diminué. Au niveau du SCOT et via le SRADET, mais ça fait le lien avec la région, parce qu'on voit bien qu'on est bien, en tout cas, dans le cadre de le thème même de la conférence, qui est comment... Attention aux acronymes, quand même. Oui, non, mais le schéma régional d'aménagement de développement durable et de l'égalité des territoires. Enfin bref, vous voyez, c'est l'histoire de bien aménager le territoire correctement. Non, mais on a un enjeu au cœur de notre table ronde de cette conférence, d'ailleurs, qu'on va traverser comme ça, c'est la question de la cohérence de l'action publique. Parce qu'on a des partages de compétences entre tout le monde. Donc tout le monde intervient. L'État, l'Europe, pas présent, mais l'État, la région, les départements, la communauté urbaine, la commune. Voilà. Bon. Donc il faut arriver à travailler ensemble. On avait, donc comme toutes les régions, peut-être un peu plus effectivement en Normandie, sur les dernières années,
On avait des consommations quand même de foncier, donc d'artificialisation qui étaient relativement élevées. On s'est parti plutôt des régions qui étaient en tête. Et le SRADET a remis, donc le schéma régional a remis des objectifs de sobriété foncière, voilà, d'économie, de réduction de l'artificialisation. Ça s'est traduit aussi dans les schémas de cohérence territoriale, les SCOT, hein, qui sont des grands documents de planification qui permettent d'encadrer après les documents d'urbanisme. Parce que nous, tout ça, en fait, c'est quand même très encadré après de manière très opérationnelle dans le droit à construire, dans nos plans locaux d'habitat pour déterminer le nombre de logements qu'on va construire. Enfin, tout ça, vous voyez, c'est des espèces de... Je veux dire de poupées russes, vous m'excuserez l'expression aujourd'hui, mais enfin bon, de choses qui sont emboîtées, qui sont cohérentes entre elles, et donc il faut qu'on arrive à tenir des objectifs de réduction. On l'a fait depuis déjà pas mal d'années, puisqu'en gros, on sait à peu près, on a diminué sur ces dernières années par deux le nombre de consommations d'artificialisation annuelle. C'est-à-dire qu'en gros, on est passé, quand la mer, on était monté à un peu plus de 100 hectares, on est descendu à un peu moins de 50 hectares par an. Et on a en objectif le zéro artificialisation nette. Voilà. C'est-à-dire d'arriver à des modes de développement qui fait qu'on ne consommera plus d'espace agricole. Bon. Ça, c'est crédible. Ça va être super dur. Non, mais il faut être clair. À quelle échéance on peut espérer ça? Déjà, on réduit, on continue encore à réduire. Sincèrement, aujourd'hui, nous élus, enfin, on se demande tous quand même comment on va faire, vraiment. Parce que comment on peut essayer? On peut essayer déjà, on est confronté à des enjeux multiples. On a les enjeux de biodiversité, on a donc quelque part d'ailleurs, les stratégies foncières peuvent permettre aussi de reconquérir et de travailler à la reconquête de la biodiversité, c'est extrêmement important. On est en train par exemple, juste deux choses. On a une dimension stratégique impérative au niveau des collectivités locales à avoir. C'est pour ça qu'en la mer, on s'est lancé dans un projet de territoire qui est vraiment quand même assez, je dirais pas disruptif, mais qui cherche à aller sur des scénarios quand même beaucoup plus vertueux, vraiment. Voilà. En termes d'arrêter l'étalement urbain qu'on a connu ces 60 dernières années, de changer les modes de mobilité, on essaye de se donner des objectifs, en tout cas, qui correspondent aux impératifs auxquels on est confronté aujourd'hui. Pour l'appuyer, on met derrière une stratégie foncière. Donc on lance ça, on n'en avait pas, hein, et c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement important. Et puis on s'engage dans l'élaboration aussi de notre plan local d'urbanisme intercommunal, PLUI, et on en fait d'ailleurs un PLUI HM, c'est-à-dire habitat et mobilité, pour être le plus cohérent possible. Parce que souvent on avait l'habitat d'un côté, un plan de mobilité de l'autre, et un plan local d'urbanisme. Sauf que tout est lié. Donc on s'est dit, voilà, on fait un document unique, lui-même étant la déclinaison du projet de territoire et de la stratégie foncière. Donc on essaye de se fixer déjà, d'un point de vue stratégique, des choix, des objectifs qui nous permettront d'agir. Et ça doit se traduire de manière opérationnelle. Alors à la fois, évidemment, sur la question de l'habitat, on travaille au maximum sur les zones déjà habitées. Mais ça va réinterroger, par exemple, tous les lotissements des années 60. Qu'est-ce qu'on fait avec, enfin, on est aussi sur des territoires où on avait des grandes parcelles. Mais ça veut dire que là, il faut travailler avec les gens en faisant de la couture, quoi, de précision, parcelle par parcelle, pour revoir comment on peut aménager les choses, refaire de la division parcellaire, refaire éventuellement du collectif sur des zones pavillonnaires et de la mixité de fonctions. Comment on réintroduit aussi de l'activité économique dans des pôles de centralité qui maillent le territoire de Caen-la-Mer, parce qu'en fait, aujourd'hui, l'emploi, il est super concentré dans le cœur urbain. Donc ça génère les déplacements, puisque l'habitat est à l'extérieur. Enfin voilà, il faut reprendre tout ça. Je ne sais pas si on y arrivera. Je serais malhonnête de vous dire, bien sûr, on arrivera au zéro artificialisation nette. Je dis juste qu'on doit se mettre dans cette trajectoire avec volonté, avec humilité, mais on doit essayer d'y aller et tous ensemble. Voilà. Juste un dernier mot. Quels sont le type de projets que vous ne faites plus aujourd'hui? On essaye en tout cas. Alors, sur les zones d'activité ou même l'habitat, par exemple, vous avez sur le territoire des grands projets un peu structurants, en particulier le projet de camp Presqu'île, hein, ce qu'on appelle la Presqu'île, et qui vraiment, lui, s'inscrit enfin dans une philosophie de développement durable et de résilience, d'ailleurs, vraiment, puisqu'on est confronté quand même aussi à la problématique de l'eau. Hein, voilà, alors tout a été super calculé, étudié, pour faire face au risque, effectivement, à la fois d'élévation du niveau de l'eau, etc. Mais on a des modes
d'aménagement très différent. C'est-à-dire qu'on vise des parkings en silo, moins de voitures par foyer. On donne la prédominance sur l'espace aux piétons et aux mobilités douces et pas du tout à la voiture. On va être sur des densités beaucoup plus fortes. Et la question de la densité aujourd'hui, pour nous élus, c'est de se poser la question de la densité acceptable. Parce que tout ce qu'on dit là, et la mise en place de scénarii, ou même nos projets de territoire, tout ça, c'est bien si les gens l'acceptent. Or, aujourd'hui, il y a un gros, gros travail, j'allais dire presque psychopolitique, à faire accepter le changement. Et le changement, enfin, vous évoquiez vous-même en disant il va falloir que les gens consomment moins, changent leurs habitudes, changent leurs pratiques. Ça ne se décrète pas, hein. On ne claque pas les doigts pour dire, eh les gars, c'est fini, demain vous mangez trois fois moins de viande, vous consommez deux fois moins d'électricité, etc. On doit mettre en place des zones à faible émission, des ZFE. Là. Les zones à faible émission, ça vise essentiellement les voitures qui polluent le plus. Qui aujourd'hui est propriétaire des voitures qui polluent le plus et les voitures les plus anciennes? C'est les gens qui ont le moins de revenus. Voilà. Donc on a aussi cet enjeu social à prendre en considération, en tout cas dans nos stratégies et dans nos opérations à mener. Alors, on va remonter d'un cran, d'un échelon. Sandrine, vous travaillez vous êtes directrice énergie, environnement et développement durable à la région Normandie. Une des attributions importantes de la région, c'est sa capacité à planifier. Vous essayez de voir sur le temps long quels sont les grands objectifs à atteindre. Exactement. Donc, ça a été indiqué par Emmanuel Renard. Effectivement, enfin, une des compétences de la région, parmi les nombreuses compétences qu'elle a, hein, c'est cette compétence de planification. Et donc, la région a élaboré, et il a été validé en 2020, donc ce qui a été cité tout à l'heure, le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires. Le fameux SRADET. Le fameux SRADET, voilà, exactement. Donc à l'avenir, je vous parlerai du SRADET sans décliner tout l'acronyme qui est un petit peu long. Pour répondre à cette question, enfin, qui est la thématique de la conférence d'aujourd'hui sur quelle politique publique pour améliorer la résilience des territoires. Le SRADET, donc, qui est inscrit dans la loi, hein, et qui est venu remplacer un certain nombre de schémas qu'on qualifie de sectoriels. On avait jusqu'en 2015 des schémas régionaux de développement des transports, des schémas régionaux de cohérence écologique. Donc là, qui en gros établissait les trames vertes, enfin ce qu'on appelle les trames vertes et bleues, c'est-à-dire tout simplement les réseaux de haies, de bois et puis de tous les cours d'eau, les zones humides, etc. Et donc fixer les orientations d'amélioration de ces trames vertes et bleues, un schéma régional sur tout ce qui a trait au climat, à l'air et à l'énergie, avec des objectifs d'amélioration de la qualité de l'air, de développement des énergies renouvelables. Bref, tous ces différents schémas, je n'ai pas tous cités, mais ont été rassemblés au sein de ce SRADET, avec l'objectif de vraiment fixer des grandes orientations pour l'ensemble du territoire normand en termes de développement à l'horizon 2030 et ou 2050 selon les objectifs que l'on se fixait. Et comme ça a été indiqué par Emmanuel Renard, ce SRADET, il vient finalement d'une part décliner les grands objectifs nationaux, hein, qui sont fixés par les lois de transition énergétique, la programmation pluriannuelle de l'énergie, la stratégie nationale bas carbone. Tout ça, c'est des objectifs qui sont fixés à l'échelle nationale, de réduction des consommations d'énergie, d'amélioration de la qualité de l'air, de développement... il y a des lois biodiversité aussi qui fixent des objectifs sur la préservation de toutes les zones de biodiversité. Et donc le SRADET, finalement, c'est le maillon régional qui va venir décliner ces grands objectifs nationaux pour ce qui nous concerne, pour la Normandie. Et puis... comme ça a été indiqué, en dessous de ce schéma régional qui fixe les objectifs pour l'ensemble du territoire régional, eh bien, il y a des documents qu'on appelle des documents de planification infra, les schémas de cohérence territoriale et puis les plans locaux d'urbanisme, intercommunaux ou pas, voilà, qui doivent s'inscrire finalement dans ce SRADET et répondre à ces objectifs et prendre leur part dans l'atteinte de ces objectifs. Alors peut-être pour donner un petit peu de concret, parce que c'est vrai que souvent, enfin, quand on est, citoyen, on ne voit pas trop à quoi ça correspond, ce qu'est cette planification régionale, ça reste un petit peu éthéré.
Donc je vous ai mis sur cette diapositive un peu les, enfin, des exemples, hein, parce qu'il y en a plein d'autres, hein, mais quelques exemples, alors qui se trouve concernent plus mon champ d'activité à moi, quelques objectifs en fait qui sont inscrits dans le SRADET et donc que nous avons, je dirais, tous collectivement à atteindre. Ce n'est pas que la collectivité régionale qui doit se donner les moyens d'atteindre ces objectifs, on y contribue évidemment, mais ça s'applique bien à l'ensemble des acteurs normands, à la fois les territoires, mais aussi l'idée, c'est que derrière, par ces documents infra, les SCOT, les PLU, PLEI, j'ai oublié aussi de citer les plans climat air énergie territoriaux, qui sont une déclinaison très concrète et opérationnelle du SRADET, eh bien, chacun se trouve concerné, que ce soit les entreprises, les agriculteurs, les citoyens, les associations. Et donc, par exemple, le SRADET fixe comme objectif que, à l'horizon 2030, je dirais la production d'énergie renouvelable, enfin, où les énergies renouvelables représentent 32% de la consommation d'énergie finale. Aujourd'hui, on est à 9-10%. Donc, on a encore de la marge, largement. Et donc, ça veut dire qu'il faut qu'on accélère en Normandie sur la production des énergies renouvelables. On a aussi inscrit, par exemple, l'objectif de rénover énergétiquement, alors en visant une haute performance énergétique, parce que ça répond aussi, en ce moment, on est en plein dedans, hein, sur l'augmentation, enfin, le renchérissement du coût de l'énergie, et notamment pour les ménages modestes et très modestes. Voilà, il y a aujourd'hui, je n'ai plus la proportion en tête, mais c'est peut-être 20-25% de la population normande qui est en situation de précarité énergétique, c'est-à-dire qui n'a pas les moyens de se chauffer et d'être dans des conditions agréables dans son logement, en particulier l'hiver. Et donc l'objectif, c'est bien de... Enfin, le SRADET dit qu'il faudrait, pour atteindre les objectifs qui ont été indiqués tout à l'heure de neutralité carbone à 2050, qu'on puisse tous ensemble rénover 30 à 40 000 logements par an. Aujourd'hui, on est plutôt de l'ordre de 4 à 5 000. Donc là aussi, ça montre l'enjeu, si on veut répondre à cette résilience, d'accélérer sur la rénovation énergétique et en visant plutôt le niveau BBC. Des objectifs aussi sur la préservation, alors enfin, en matière de biodiversité, j'ai cité juste les zones humides, mais c'est bien plus large, hein, c'est globalement l'ensemble de la préservation de la biodiversité. Et puis, un exemple dans le domaine des déchets de l'économie circulaire, c'est la réduction du gaspillage alimentaire de 50%, alors d'ici 2021, c'est même déjà passé, mais bon, on n'y est pas tout à fait, et de 75% d'ici 2025. Et donc, quand on parle gaspillage alimentaire, c'est... au sens large, hein, c'est à la fois directement chez les citoyens, mais aussi tout ce qui est invendu de grande surface, la restauration collective, etc. Voilà. Mais pour comprendre bien l'action et le niveau à laquelle la région s'investit, par exemple, c'est vous qui avez mandaté le GIEC Normand pour avoir une maille plus fine, savoir exactement quelles vont être les conséquences du changement climatique sur la région Normandie et comment vous pouvez aussi apporter des réponses. Voilà. Tout à fait. Alors ça, ce que je viens de décrire, c'est le schéma global, on va dire, de planification en répondant à cette question de le rôle des politiques publiques pour améliorer la résilience du territoire. Et de fait, en 2019, le président Hervé Morin, le président de la région Normandie, a souhaité créer le GIEC Normand. Alors c'est un format de GIEC. Tout le monde sait ce que c'est que le GIEC international. Ils viennent de rendre leur un nouveau rapport là il y a deux jours. Nous, c'est... plus modestement, toute humilité, mais nos chercheurs et nos experts normands ont vraiment produit une matière très, très intéressante, dense et très utile. C'est le groupe interdisciplinaire d'experts sur le climat normand. L'objectif, c'était... j'ai participé hier à une conférence sur le sujet, hein, où une grande partie des travaux du GIEC normand a pu être présentée. L'objectif, c'était de pouvoir traduire les projections... de faire une synthèse de l'état des connaissances disponibles sur l'impact du changement climatique en Normandie. Aujourd'hui, les exemples qu'on a souvent, notre vice-président Hubert Dejean de Labatie cite souvent, si on demande à quelqu'un dans la rue c'est quoi l'impact du changement climatique, alors il cite une étude qui avait été faite auprès de lycéens. Premier réflexe, c'est l'ours polaire sur sa banquise qui erre et qui dérive comme un malheureux et qui n'a plus d'habitat. Sauf que le changement climatique, ce n'est pas que l'ours polaire sur la banquise ou l'élévation du niveau des mers aux Maldives qui les menace très, très directement. C'est bien sûr ça, mais c'est aussi très directement aujourd'hui en Normandie des conséquences avérées. Hein, j'ai là, pour ceux que ça intéresserait, quelques diapos et éléments qui ont été présentés hier sur aujourd'hui concrètement, c'est quoi le changement climatique en Normandie. Il est déjà là. Vous citiez l'élévation des températures, par exemple. En Normandie, c'est 1,3 degré qu'on a gagné sur les 70 dernières années, déjà, très concrètement. C'est des projections qui sont faites et qui, du coup, sont un outil d'aide à la décision,
tant pour nous, régions, pour essayer de, voilà, d'abonder nos politiques publiques, de les faire évoluer pour répondre à cet enjeu, enfin, et à ces différents enjeux du changement climatique. Mais c'est aussi, enfin, on a organisé en 2021 une cinquantaine de réunions de diffusion et de restitution de ces travaux auprès de, du maximum de sphères d'acteurs, hein, les entreprises, les agriculteurs, les pêcheurs, et je vais en oublier, les proviseurs de lycées, le monde de l'enseignement supérieur, de la recherche, etc., les acteurs du sport, c'est prochainement, enfin bref. L'idée, c'est de faire vraiment prendre conscience que le changement climatique, c'est en Normandie, quoi. Donc chacun à notre niveau, j'ai oublié les élus, évidemment, enfin les premiers, mais on les a, ils ont été notre première cible, les élus locaux. L'idée, c'est de, une fois qu'on a cette connaissance, de se dire, ben maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Voilà, on ne peut plus dire qu'on ne savait pas, en tout cas. Et donc, qu'est-ce qu'on fait concrètement ? Chacun à notre échelle, hein, ce sont les politiques régionales, les politiques départementales, les politiques locales, mais aussi en tant que citoyen, qu'est-ce que moi, dans ma vie courante, je fais justement avec cet enjeu d'accompagnement au changement. Mais la première pierre de l'accompagnement au changement, c'est déjà de prendre conscience d'eux. Dernière question, peut-être pour avoir un exemple. On sait que la Normandie va être très concernée par l'élévation du niveau des mers et qu'il y a beaucoup de sites industriels. Qu'est-ce que vous faites concrètement ? Donc vous avez produit de l'information avec le GIEC normand en disant, enfin, en montrant la vulnérabilité des territoires normands à cette élévation du niveau des mers. Et vous faites quoi ? Vous faites des réunions avec le maire du Havre, avec les directeurs des différents sites Céveso. Comment ça se passe pour voilà, anticiper la vulnérabilité industrielle pour les risques ? Ouais. Alors voilà, je vous ai projeté à l'écran, c'est juste un exemple justement des, enfin, qui est extrait des travaux du GIEC normand, hein, qui représente le, dans la boucle de Seine, donc on est à Rouen là, qui représente une inondation, alors que je ne dise pas de bêtises, c'est une inondation, je crois, de un niveau de la Seine, d'eau de période de retour 10 ans, donc c'est en gros une inondation qui revient tous les 10 ans, projetée avec l'élévation du niveau marin de 1 mètre. Et aujourd'hui, il faut savoir que les projections, enfin, du GIEC international, et donc qui sont reprises dans les modélisations en Normandie, projette effectivement une élévation du niveau marin autour de 1 mètre. Hein, c'est les derniers rapports du GIEC international. Donc on n'est pas dans de la... Enfin, l'élévation d'un mètre, ce n'est pas de la science-fiction. C'est s'il ne se passe rien et s'il n'y a pas aujourd'hui d'amplification de l'atténuation du changement climatique. En tout cas, c'est ce que nous disent les experts. C'est ce qui a de très grandes chances de se réaliser. Voilà, donc tout l'enjeu, c'est d'essayer de ne pas arriver à 1 mètre d'élévation du niveau marin. Les deux cartes vous représentent donc en fait les zones inondées. Donc c'est en... Oui, en saumon, dans les deux cas, un saumon et rose. L'ampleur des zones inondées, donc dans la boucle de Seine à Rouen, avec cette élévation du niveau de la mer de 1 mètre. Et les points en rouge, en fait, ce sont les sites Céveso, donc les sites industriels à risque important. Et donc, vous voyez qu'ils se retrouvent tous les pieds dans l'eau. Alors, ces deux modèles différents qui ont tourné, dans les deux cas, de toute façon, enfin, vous voyez que c'est plus... La zone d'inondation est plus importante sur le modèle de droite. Il se trouve que c'est un modèle qui est mondial, qui n'est pas trop adapté aux estuaires. Donc, il y a quelques réserves voilà, sur l'utilisation. Le modèle de gauche, c'est un modèle qui a été... Enfin, une étude, en tout cas, qui a été produite par le groupement d'intérêt public Seine-Aval. Donc là, on est vraiment sur du local. Il montre aussi que les sites Céveso, ils sont inondés. Donc, ça pose évidemment des questions de sécurité, etc. Et donc, pour répondre à votre question, concrètement, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on déploie en région. Donc, justement, il y a ce premier rôle de planification. Et puis derrière, l'ensemble des politiques régionales qui ont vocation à... accompagner les acteurs et les aider pour, d'une part, essayer d'amplifier les actions d'atténuation. Donc on a des politiques, enfin, dans ma direction, par exemple, de promotion enfin, et de soutien au développement des énergies renouvelables, de soutien à la rénovation énergétique des bâtiments, à la préservation et restauration de la biodiversité, à la lutte contre la production des déchets, réduction du gaspillage alimentaire, etc. Mais c'est aussi travailler sur des actions d'adaptation. Et donc là, effectivement, c'est des dispositifs qu'on mène avec les acteurs locaux, forcément, parce que ce sont eux les porteurs de projets, où on va venir les soutenir financièrement pour soit développer des stratégies à moyen-long terme, une fois que ces visions stratégiques sont établies, un peu dans l'esprit de ce que vous disiez, M. Renard, tout à l'heure, eh bien, c'est des soutiens concrets, après, à des projets qui permettent de répondre, en fait, à ces enjeux. On va passer la parole à l'État. Thomas Le Sueur, vous êtes commissaire général au développement durable. Qu'est-ce que ça veut dire ? Moi, je ne comprends pas. Merci Maxime, bonjour à toutes et à tous. Merci de cette invitation et merci aux intervenants qui ont dit des choses, je trouve, particulièrement précieuses.
Alors, oui, qu'est-ce que le Commissariat général au développement durable ? J'ai dit tout à l'heure que c'était une des directions générales du ministère de l'Environnement, de la transition écologique. Au fond, c'est la direction de la stratégie et des études. Donc, on travaille beaucoup avec l'ADEME, d'ailleurs, mais en étant une direction de l'administration centrale. Donc, on produit des études, notamment tous les chiffres statistiques. Par exemple, vous avez cité tout à l'heure l'empreinte carbone des Français, hein, 9 tonnes de CO2 par an. C'est l'empreinte, hein, c'est-à-dire que ça intègre la consommation de biens importés. Et on en déduit les biens qui sont exportés, eh bien, c'est le CGDD qui fait ce calcul et qui le produit chaque année. Donc vous avez des chiffres clés du climat, des chiffres clés de l'énergie. Tout ça, c'est produit par... j'ai l'honneur que ce soit ma direction qui produise tout ça. Voilà. Donc direction de la stratégie et du savoir. Et donc quel est votre rôle ? Vous avez un rôle de chef d'orchestre, c'est-à-dire d'essayer de se faire parler des différents acteurs pour accélérer la résilience des territoires ? Disons que d'une façon générale, et je trouve que les interventions l'ont très bien illustré, nous avons aujourd'hui question autour du changement climatique, de la perte de la biodiversité, de la vulnérabilité à l'approvisionnement en ressources rares et l'insoutenabilité de notre modèle économique. Tout ça est très présent dans l'actualité, malheureusement, dans les esprits, en tout cas dans les esprits des autorités, des responsables. Et du coup, beaucoup d'outils ont été développés. Vous n'aimez pas les acronymes, et vous avez raison, mais ce serait facile d'en sortir un chapelet d'une quinzaine ou une vingtaine qui sont des documents de planification aux différents niveaux d'intervention publique. Ça donne le tournis. Je ne dis pas que ce n'est pas bien. C'est très bien, c'est très précieux. On fait de la planification, on a... des engagements internationaux, on les décline au niveau national, dans le domaine de l'énergie, de la biodiversité, de l'urbanisme, on les décline au niveau régional, on les décline au niveau territorial, et tout ça est vraiment précieux pour se donner des repères. Pour autant, on voit bien, et je suis certain que les élus qui sont présents et qui m'entendent le confirmeraient, que ça ne passe pas complètement dans le grand public. Non pas la conscience qu'il y a un changement climatique, ça c'est bien connu, et puis on le voit, on le sent, peut-être pas à tous les instants de l'année, mais tout de même on le sent. Mais que faut-il faire ? Que faut-il engager comme action concrète pour être un contributeur à la bonne hauteur, au bon niveau, au bon rythme de la lutte contre le changement climatique ? Et tous ces documents de planification... Eh bien, ils ont beau exister, ils sont vraiment, encore une fois, extrêmement précieux. À mon propos, n'est certainement pas de les dévaloriser, mais on finit par être presque perdu au milieu d'eux. Et puis surtout, le cœur du sujet, c'est bien sûr de planifier, parce que c'est important de se donner des repères, mais c'est d'agir. C'est d'agir, et l'action, là je le dis très clairement, c'est pas l'État qui agit. L'État, il peut contribuer à donner un cadre qui est favorable à l'action, par ces moyens traditionnels d'intervention, les financements, la fiscalité, la norme, bien entendu. Et je crois qu'il y a beaucoup d'actions qui sont conduites dans ce cadre et qui doivent venir en soutien des planifications. Mais à la fin, ceux qui agissent, ce sont bien les collectivités locales au plus proche du terrain, les entreprises, les citoyens, c'est-à-dire ceux qui font les choses et ceux qui changent leur comportement, ceux qui choisissent leurs investissements. Encore une fois, chacun a un rôle, et l'État a un rôle important d'impulsion et d'accompagnement, mais il faut surtout avoir cet effet d'entraînement. Et j'en viens à votre question. C'est vrai qu'en préparant cette table ronde, j'ai évoqué cette notion de chef d'orchestre. C'est écrit nulle part, hein. C'est juste une manière d'expliquer ce qui me semble, et c'est peut-être aussi une conviction personnelle que je voudrais partager avec vous, ce qui me semble être aujourd'hui la valeur ajoutée que peut avoir l'État. C'est au-delà des planifications, de contribuer à faire que les acteurs puissent interagir et dessiner ensemble leurs options, les choix qu'il y a à faire et se poser entre eux les bonnes questions. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Une fois qu'on a fait des plans, c'est comme quand on choisit, je sais pas, des vacances, un voyage, on n'est pas encore parti, on a juste fait un plan. L'action, elle passe par se mettre en mouvement. Et là, on sent que beaucoup d'acteurs sont inquiets parce qu'il faut choisir la bonne direction. Et tout ça est
terriblement complexe, plein de contradictions. Quelle technologie choisir? Comment faire son investissement et ne pas se retrouver dans une impasse économique assez rapidement? Et donc, la limite de toutes ces planifications, et encore une fois, je ne veux surtout pas dire qu'elles ne sont pas utiles, elles le sont, mais la limite, c'est qu'à un moment, il faut qu'elles aboutissent à des gens qui se disent, eh bien, moi, je vais contribuer à ces planifications, et voilà quel est mon projet, en quoi contribue-t-il à cet effort collectif de transition écologique, et ce changement qui a été très bien décrit dans son ampleur, en tout cas à travers les scénarios de l'ADEME, car dans tous les cas, il faut changer beaucoup de choses. Chef d'orchestre, oui. Comment vous faites concrètement? Alors, c'est-à-dire que vous allez voir les entreprises, les régions, exactement. Les départements. Alors, comment... les communes, on voit, Emmanuel Renard nous disait, semblaient un peu démunies face à l'ampleur de la tâche d'arrêter, par exemple, l'artificialisation des sols. Comment vous faites concrètement? Eh bien, justement, toutes ces planifications, elles ont comme caractéristique d'être plutôt descendantes. Et ce que nous essayons d'engager, c'est un système beaucoup plus remontant. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, nous avons engagé depuis quelques jours, et c'est un travail qui va se dérouler tout au long de cette année, qui était prévu par la loi Climat et Résilience adoptée l'été dernier. Eh bien, nous avons prévu de réunir les acteurs des différentes grandes chaînes de valeur qui sont les plus émissives de gaz à effet de serre. Les chaînes de valeur du transport, du logement, de la construction, de l'aménagement, de l'industrie agroalimentaire et donc en amont de l'agriculture. Et dans ces chaînes de valeur, réunir l'ensemble des acteurs, c'est-à-dire les différentes entreprises aux différents maillons de la chaîne de valeur, c'est-à-dire de l'amont industriel jusqu'à l'aval, qui est la distribution et finalement la consommation. Et en réunissant tous ces acteurs, eh bien, les faire interagir ensemble, j'ai oublié de préciser que c'est aussi avec les collectivités locales et avec les organisations syndicales, c'est un peu la logique du développement durable, eh bien, en réunissant tout le monde, en se disant, bon, mais au fond, en 2030, en 2035, comment voyez-vous les choses vues de votre activité, vues de votre situation actuelle? On ne remet certainement pas en cause le fait que la plupart des acteurs ont envie, ressentent la nécessité du changement, de l'investissement, de la transformation. Mais quant à choisir la voie, il y a plus d'hésitation. Eh bien, en réunissant tout le monde et en faisant parler chacun de façon spontanée, ce n'est pas une négociation, c'est simplement un partage. C'est en ça que c'est une notion d'orchestre, un partage de ce que chacun voit à horizon de 10-15 ans. Et on verra avec cela comment ça croise avec nos planifications. Mais est-ce que vous pouvez prendre un exemple, par exemple sur la mobilité, c'est-à-dire que vous réunissez la région, le département, des industries pour savoir comment on va se déplacer demain. C'est ça les chaînes de valeur dont vous parlez? Exactement. Prenons par exemple le transport de marchandises. Donc vous voyez les acteurs de la chaîne de valeur du transport de marchandises, de la logistique. Ça va des constructeurs de camions, de poids lourds. Il faudrait ajouter le ferroviaire et tous les... Mais on va rester sur la route, parce que, évidemment, les sujets sont liés. Hein. Tous les sujets sont liés. Mais il faut bien, à un moment, faire des découpages pour réunir des acteurs, parce qu'on ne peut pas faire des réunions à 3000 personnes. Donc, on prend la chaîne de valeur du transport, qui va donc des constructeurs de camions, aux transporteurs routiers, à ceux qui sont les logisticiens, ce qu'on appelle les chargeurs. Et puis, l'aval de la logistique, eh bien, c'est la distribution, c'est le commerce. Ce sont les collectivités locales, parce qu'il y a des tas d'enjeux sur la mobilité logistique de demain, sur quels sont les aménagements que l'on fait, comment est-ce qu'on organise les villes, quels sont les grands choix que l'on peut opérer, etc., etc. Et les questions qui sont posées par ces acteurs, c'est, bon, c'est quoi la mobilité lourde de demain? On se doute bien qu'il faut électrifier le parc. Mais les camions aujourd'hui qui roulent au diesel de façon extrêmement massive, est-ce que demain c'est des camions à hydrogène? Est-ce que c'est des camions qui sont avec des carburants issus de la biomasse et donc des carburants renouvelables? Est-ce que ce sont des camions qu'on électrifie par l'extérieur, c'est-à-dire par des caténaires, par le sol? Bon, qui peut décider ça? Qui peut décider ça? Pas un acteur individuel, pas une entreprise et pas même une fédération d'entreprises. Parce que ça va interagir sur toute la chaîne de valeur et avec les pouvoirs publics. Il va falloir qu'on fasse des choix. Et pour ça, il faut déjà les poser. Et les planifications ne nous disent pas
comment on va faire. Les planifications nous disent quelle est l'ampleur de la réduction, par exemple, des gaz à effet de serre. C'est important d'avoir cet objectif. Mais le mode opératoire sur le transport logistique, comment allons-nous l'opérer? Eh bien, c'est à cette chaîne de valeur, à ce groupe de travail, d'exprimer la manière dont il voit son propre avenir. C'est-à-dire que vous vous réunissez pour savoir, par exemple, combien de bornes électriques ou de stations dans lesquelles il faudrait qu'il y ait du biogaz pour alimenter les camions. C'est ce genre de discussion que vous avez? Alors, ce n'est pas forcément aussi précis que cela, parce que on est bien en amont. Aujourd'hui, vous avez des acteurs qui nous disent, mais il faudrait que vous nous disiez quelle va être l'option technologique qui va finalement se développer. Alors, personne n'a de boule de cristal, parce que bien sûr, tout ça est aussi lié au développement du marché, à l'innovation technologique qu'on va aussi découvrir. Mais tout de même, quand il s'agit d'infrastructures, on sait que c'est un temps qui est assez long, un niveau d'investissement qui est massif. On ne va pas pouvoir développer de front des tas de technologies. Il va quand même falloir qu'on fasse des choix. Alors bien sûr, on peut toujours dire les pouvoirs publics n'ont qu'à faire des choix, l'État doit être courageux, faut choisir des options, et peut-être d'ailleurs sur un certain nombre de sujets, c'est plutôt au niveau européen. Mais enfin, il faut aussi que ça croise la réalité de ce que vivent les entreprises et les collectivités sur le terrain. Et donc c'est ça ce que l'on va essayer de faire. C'est très ambitieux parce que ça n'a jamais été fait. C'est de faire cette espèce de remontée pour que l'État puisse être à l'écoute de ce que les acteurs entrevoient. Encore une fois, vu de la situation où ils sont aujourd'hui et de l'envie de s'inscrire dans ces planifications et d'être contributif à la lutte contre le changement climatique. Et il va falloir qu'on fasse un travail de réconciliation, d'ajustement entre ces feuilles de route qui seront, j'allais dire, issues de la vision spontanée et partagée que des acteurs économiques de tous ordres auront produites, et puis nos planifications. Et entre les deux, il y aura certainement une question autour de comment est-ce qu'on accompagne, comment est-ce qu'on investit, comment est-ce qu'on aide pour que la voie qui sera proposée par les acteurs puisse être conforme à la trajectoire qui a été fixée par les accords internationaux et leur déclinaison. Voilà. Et tout ça doit s'inscrire dans la prochaine grande étape de planification de la transition, qui va être la stratégie française énergie-climat, c'est la SFEC, j'ose pas le dire, encore un nouvel acronyme, c'est-à-dire finalement la convergence de la stratégie nationale bas carbone, 3e édition, et de la programmation pluriannuelle de l'énergie. Tout ça, c'est au programme des années 2023-2024. Et donc ce travail dont je vous parle, va y contribuer. Et pourquoi je parlais du chef d'orchestre, je vais être rapide, c'est parce que dans cet exercice, ce n'est pas l'État qui écrit la copie. Il dit aux acteurs, il rend peut-être possible le dialogue et la rencontre, parce que finalement, ça ne se fait pas spontanément. Il faut bien que quelqu'un invite et dise, tiens, si on réfléchissait à tout ça. Ça, c'est ce que l'État apporte, et c'est là que se limite sa valeur ajoutée. Ensuite, il va enregistrer ce que ce dialogue va rendre possible et essayer de donner de la cohérence, bien entendu, à l'ensemble, parce qu'il y a besoin de cohérence, puisque toutes les chaînes de valeur et tous les sujets sont quand même très étroitement liés et avec des effets rebonds les uns avec les autres. Donc tout ça restera complexe. Je ne sais pas si on va y arriver, mais je voulais témoigner du fait que c'est ce qu'on va essayer de faire, parce que, encore une fois, les témoignages et les interventions que je viens d'entendre et puis que j'en ai entendu ailleurs de même type montrent bien qu'il y a une volonté très forte d'avancer, mais il y a besoin aussi de repères collectifs. Je vois les équipes du Normand Durable qui s'amassent près de la sortie de l'amphithéâtre. Signe qu'il faut passer la parole à la salle. Si vous avez des questions, on va faire passer un micro. Voilà, on a une question au fond à droite, je ne sais pas qui. On va prendre une question. Voilà, c'est la censure qui fait son œuvre. Peut-être qu'on va négocier une deuxième question. Merci beaucoup à chacun d'entre vous d'être là et pour cette volonté que vous montrez effectivement à faire ce que vous faites. J'aurais une question qui vous concerne tous, qui est une question de ressenti. Hier, on a eu la chance d'avoir une intervention au Normand Durable tenue par Camille Etienne et Claire Pétraud sur l'engagement des jeunes. Et Camille Etienne nous a parlé d'un projet de la pipeline
en Ouganda et Tanzanie, tenue par Total et une autre entreprise pétrolière chinoise. Et donc, je vois au quotidien donc, les efforts des communes, des élus, à toutes les échelles, que ce soit donc, la région, le département, l'État aussi, avec le ministère. On a des lois pour justement baisser les gaz à effet de serre. Et en parallèle, donc, on a ce genre de projet dont nous, on fait partie, puisque c'est Total, qui a 50%. Enfin, je n'ai pas une idée du pourcentage Total et l'entreprise chinoise, mais voilà, on est aussi, on accompagne ce genre de projet alors qu'on essaye tant de faire des efforts en France. Et j'aimerais savoir ce que vous ressentez face à cela, parce que là, ça va être une catastrophe écologique, aussi sociale pour toutes les personnes là-bas, puisque c'est une pipeline qui fait presque 1440 km. Et donc savoir, vous, ce que vous ressentez sur les efforts que vous fournissez et ce qui se passe aussi, ce qu'on fait ailleurs. D'un mot, je ne sais pas si les collectivités présentes se sentent compétentes sur la question du pipeline de Total en Ouganda. Non, mais c'est tous les jours, on aurait de quoi abandonner. Tous les jours. Bon, sauf qu'on ne peut pas. On n'a pas le droit. Donc voilà, on sait très bien qu'on va construire un truc. Et puis à côté, peut-être qu'il y a autre chose qui est en train de détruire. Mais sauf que de toute façon, ce qu'on fait, on doit le faire. Et c'est du positif. Donc voilà, continuons à avancer. Après, il y a des enjeux internationaux, il y a des rapports de force, il y a du lobbying, il y a des choses à faire auxquelles on peut contribuer, titre citoyen, titre politique. Voilà, il y a des débats, hein, on rentre dans des grandes phases de débats, là, il faut en profiter. Mais faut continuer à agir. Enfin, sinon, c'est la fin de tout. On va peut-être prendre une dernière question. Je suis désolé, on n'a pas beaucoup. Merci. Alors déjà, bonjour à tous. Je vous félicite tous pour l'éventail et de constats et de mesures envisagées ou engagées. Maintenant, comme disait Sandrine Mézirard tout à l'heure, c'est aussi un engagement citoyen. C'est-à-dire que chacun peut faire quelque chose. Et moi, je suis un peu un des exemples, parce qu'il y a plein de gens qui font comme moi. Moi, j'ai monté une association, on plante des arbres. Et là, comme j'ai un peu la Dream Team, en ayant l'ADEME, le ministère de la Transition écologique et la région. Et en fait, ma question, elle est la suivante. Concrètement, quand on est une association comme la mienne, qu'on veut planter des arbres, alors on en plante, on le fait par le biais de la réinsertion et de l'insertion professionnelle notamment. Comment on fait pour obtenir votre aide et votre aide financière? Parce que, je suis désolé, mais l'ADEME, c'est très bien, mais c'est difficile à joindre. Les dossiers sont extrêmement complexes à remplir. La région, j'ai essayé, et puis la région m'a dit on ne finance pas d'association. Quant au ministère de la Transition écologique, je suis désolé, mais personne ne répond à nos sollicitations. Même quand on arrive à avoir une réponse du chef de cabinet de l'Élysée qui demande à ce qu'on soit reçu, et derrière, il n'y a rien. Et pour la biodiversité, Bérangère Abba, c'est la même chose. On est pourtant introduit par des députés de la majorité et personne ne nous répond. Alors à notre échelle, nous de citoyens, qu'est-ce qu'on peut faire si vous nous demandez d'intervenir, qu'on fait quelque chose, mais que vous ne nous épaulez pas, qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Triple banderie, à la fois pour l'ADEME, pour la région et pour l'État. Comment on peut aider ces associations qui essayent d'agir? Merci, c'est cool. Mais on pourra voir. Et ça n'a rien de personnel. C'est peut-être que vous n'êtes pas allé voir la bonne collectivité. Non, mais ça n'a rien de personnel aux intervenants. Hein. C'était pas de l'humour. Je félicite le travail que vous faites. Je sais qu'il y a du travail de fourni. Mais concrètement, il y a les scientifiques en amont. Après, vous êtes un peu le relais et nous, on est un peu le bras armé. Mais comment vous faites pour nous aider? Voilà. Moi, je vais être rapide. Deux points. On ne finance pas, effectivement, tout ce qui va être, pour simplifier, autour de la biodiversité ou ce genre de choses, de la nature, entre guillemets, parce que ce n'est pas que la partie biodiversité. J'entends, par contre, que nos dispositifs peuvent être compliqués. Donc, ça, on essaye de les simplifier. On a fait des simplifications, notamment dans le cadre des investissements d'avenir. Mais ça, je peux l'entendre et le comprendre. Après, ça peut être d'autant plus compliqué que vous ne rentrez pas du tout dans nos canaux. Donc c'est, voilà. Mais j'entends. Voilà. La région et l'État sur le banc des accusés. Oui, nous, c'est pas qu'on finance pas les associations, parce qu'on en finance, je sais pas combien, mais des centaines à l'échelle de la région, voilà. Alors simplement sur votre dossier en particulier, il y a eu des rendez-vous qui ont été pris.
Voilà, aujourd'hui, les dispositifs que nous avons ne permettent pas en l'état. Enfin, on vous a proposé en tout cas de faire des évolutions à la fois dans vos statuts et dans votre mode d'agir en tant qu'association, parce qu'en l'état, ce n'était pas possible d'accompagner. Mais voilà, sous réserve de ces modifications, on peut vous soutenir. Mais il faut opérer les modifications en question, enfin, pour rentrer, je dirais, ce n'est pas que vous n'y êtes pas, hein, mais je dirais dans le champ de l'insertion, de l'économie sociale et solidaire. Oui, mais après, ça pose la question du modèle de l'association qui, si elle plante des arbres, enfin, je n'ai pas étudié votre dossier précisément, mais à partir du moment où vous plantez des arbres, c'est probablement, enfin, j'en ai rapidement discuté avec le collègue hier, à la suite de votre intervention d'hier, c'est probablement plus ou moins dans un modèle de prestation de services vis-à-vis d'autres collectivités ou d'agriculteurs ou je ne sais pas. Voilà, enfin, c'est ce modèle-là et ce lien qui, en fait, aujourd'hui nous pose question. Parce que par définition, une association, enfin, sauf si elle est dans le champ de l'ESS, mais du coup, il faut qu'elle soit pleinement dans le champ de l'ESS, doit être non lucrative. Et voilà. Et... Oui, oui, bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est que de la plantation d'arbres en soi, enfin, vous plantez par définition des arbres sur des terrains qui ne vous appartiennent pas, donc c'est pour le compte de tiers, et donc c'est quelque part un modèle de prestation de service. Et donc forcément, on entre un petit peu dans le champ du lucratif, même si votre objectif n'est pas de faire de l'argent. Ben voilà, je ne vais pas faire l'expertise juridique ici, mais ça explique de façon un petit peu rapide les raisons pour lesquelles la région aujourd'hui ne peut pas vous soutenir en l'état sur le format que vous présentez. Mais les suggestions, encore une fois, vous ont été faites pour que ça puisse évoluer. Malheureusement, il va falloir continuer le débat dehors. Un grand merci à tous les quatre d'être venus aujourd'hui et un grand merci à tout le monde d'être venu à l'université.